On va passer au cinéma avec vraiment un documentaire, mais qui nous a emballés au Festival du film juif de Jérusalem. C'est titré Anna et le docteur égyptien. La réalisatrice Talia Finkel a recherché des financements pour pouvoir le traduire et le diffuser dans le monde entier. C'est ce qu'elle fait maintenant. C'est une enquête qu'elle a réalisée sur Mohamed Elmi, médecin arabe, musulman, égyptien, qui a sauvé Anna, jeune fille juive, pendant la guerre. Il y a pile 10 ans, ce fameux docteur Elmi est parvenu et devenu, à titre posthume, le premier et le seul arabe musulman reconnu comme juste parmi les nations par l'État d'Israël. Sa famille a refusé d'accepter le prix. Le reste, c'est Anna Papiashvili qui vous le raconte. Montage, David Schoeffer. Il y a 10 ans, Yad Vashem accordait le titre de juste parmi les nations à un musulman arabe. Au sein de l'institution mémorielle, c'était une première. Ce juste, c'était un médecin égyptien, le docteur Mohamed Elmi, installé à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme les autres justes, il a sauvé des juifs pendant la Shoah, au péril de sa vie. Celle qu'il a protégée s'appelait Anna Boros. Sans lui, elle était condamnée à la déportation. Pour lui remettre son titre, le mémorial n'est pas parvenu à entrer en contact avec ses proches, version officielle, d'autant que le docteur Elmi était mort. Officieusement, on comprenait que ses descendants musulmans égyptiens préféraient ne pas accepter ce titre venu d'Israël. Inspirée par cette histoire, la réalisatrice israélienne Talia Finkel a entrepris d'en faire un film et a retrouvé la trace du petit-neveu du docteur Elmi, Nasser Kotbi, ainsi que celle de la fille d'Anna Boros, Carla Gutman Greenspan, aux États-Unis. La réalisatrice a aussi convaincu Nasser Kotbi d'accepter de recevoir cette médaille au nom de son grand-oncle, médecin comme lui. En 2013, le prix lui est remis des mains de l'ambassadeur israélien en Allemagne, Jeremy Issacharoff. Dans la foulée, Nasser Kotbi accepte aussi de participer au film de Talia Finkel. Anna et le docteur égyptien est un docu-fiction où, à travers les images animées et ponctuées d'entretiens, on découvre donc l'histoire de Mohamed Elmi. Né à Khartoum en 1901 et arrivé en Allemagne en 1922 pour y suivre des études de médecine. Un jeune médecin prometteur qui reste en Allemagne pour travailler à l'hôpital Moabite de Berlin. Beaucoup de ses collègues sont juifs, dont l'un, le docteur Georges Klemperer, qui devient son mentor. Le jeune docteur Elmi est épargné et promu médecin titulaire, mais pas pour longtemps. Car en 1937, ses origines arabes lui valent d'être chassé de l'Institut Robert Koch et rayé du système hospitalier. En 1939, il est arrêté en compagnie de plusieurs compatriotes avant d'être libéré pour raison de santé. L'hôpital ne renouvelle pas son contrat. Le médecin égyptien choisit ce moment-là pour répondre à une demande qu'il avait reçue l'année précédente d'une femme juive nommée Cécile Roudnik, qui était aussi sa patiente, et lui explique que sa famille va être déportée, sa fille, sa petite-fille, Anna, qui a à peine 17 ans. C'est alors que le docteur Elmi décide d'embaucher Anna Boros comme assistante en dépit de tous les risques. À ce moment-là, Anna change de vie. Elle devient Nadia, une musulmane portant le foulard. Pour la protéger encore plus, le médecin la convertit et organise un faux mariage avec un ami musulman. Les amis du docteur Elmi réussissent à garder le secret, mais c'est hélas la mère d'Anna qui brise le secret, brisé par un interrogatoire de la Gestapo en 1943. Le docteur Mohamed Elmi ment alors aux nazis qui viennent l'interroger et sauve Anna, encore une fois. Après la guerre, Anna Boros, devenue Anna Gutman, a émigré aux États-Unis, d'où elle a adressé dans les années 60 plusieurs lettres au Sénat allemand pour témoigner du courage du docteur Elmi. Elle est aussi venue le voir à plusieurs reprises pour lui exprimer, comme elle le dit, sa reconnaissance éternelle. Et l'on songe alors à cette parole du Coran, qui est également un proverbe juif du Talmud : « Celui qui sauve une seule vie, sauve le monde entier ».